Bonjour tout le monde, bienvenue de ma chaîne Karine Nord. Aujourd'hui, je préparais une vidéo pour vous, très simple à faire. Ça nous arrive à entrer dans le travail ou chez les amis, très tard, donc on n'a rien à manger. Donc il y a une chose très facile à faire et une omelette au thon. Allez, je présente les ingrédients. Donc il me faut à peu près 3 œufs, j'ai mis en deux fois, le thon. En boîte, en huile, moi je préfère à l'eau. Je mets un peu de gruyère fromage râpé, un peu de sel, je mets un peu de kima. Ça dépend, hein. Les gens qui n'aiment pas, les gens qui aiment, le poivre, un peu de lait que je mélangeais avec les œufs et le persil. Ça donne un bon goût. Donc et l'huile d'olive, et vous pouvez faire avec le beurre aussi, hein, l'huile tournesol. Voilà. Un peu d'huile d'olive, je mesure pas, mais avec mes yeux je mesure, j'ai l'habitude. Donc à peu près 3 cuillères, on va dire, et je casse les œufs. Je mets 3 par 3 parce que je fais en 2 fois. Il y a comme moi et ma fille, il y a une copine avec moi. Voilà. Je mets un peu de sel. Le sel, ça dit pour le goût aussi. Hein. Le poivre. Pas beaucoup. Je mets un peu de lait. Bon, pareil, si je divise en deux. Un peu de persil. Voilà. Et je mélange. Donc là, j'attends 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Hein. Voilà. Et par contre, il faut le mettre dans un tefal qui ne colle pas. Donc, là, je vais rajouter un petit peu de thon. Là. Vous pouvez mettre des gruyères, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je l'aime bien comme ça, avec le thon. Ça donne un bon goût. Changer de temps en temps. Hein. C'est à manger vite fait. Là, on va la rouler comme ça. Hein. Chacun fait sa façon. Hein. Moi, je le roule comme ça. À peu près. Hein. Comme ça. Bah, l'omelette vite fait, il est là. J'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me faire un j'aime. Essayez d'aller voir ma chaîne et merci à tout le monde et à la prochaine vidéo.